Hey, salut ma gang de vous autres, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment très bien parce que ce que vous pouvez voir ici, là, c'est un ordinateur. Puis ça va être mon nouvel ordinateur parce que celui que j'avais, ben, il commençait à avoir de la difficulté à faire ce que j'avais besoin de faire finalement. Fait que j'ai commandé chez EPG Informatique un ordinateur. EPG Informatique, c'est une compagnie d'informatique québécoise faite par Éric Godbout, un gars vraiment sacoche. Si jamais vous avez TikTok et tout, il fait des vidéos sur TikTok qui sont hilarantes. Mais en tout cas, je vais vous faire un unboxing puis je vais pouvoir vous montrer un petit peu aussi quand il va ouvrir et tout ça. Puis je pense honnêtement que les prochaines vidéos vont être bien plus sacoche parce que ça va me prendre moins de temps à faire le rendering vidéo. En général, les graphismes vont être pas mal plus beaux parce que je vais être capable de le runner à pas mal plus haut que médium. Fait que j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. On va commencer par l'ouvrir. Ben. Ok, alright! J'ai décidé de mettre ce collant-là parce qu'il est sacoche puis ça fait vraiment. Je peux vraiment me tatouer ça. Alright, fait que je suis rendu dans la boîte. Il y a un manuel de garantie de PG, ça c'est quand même très cool. Il explique un peu c'est quoi qui est garanti sur tous ces trucs-là. Je l'avais déjà lu en ligne, fait que ça sera pas un problème. Il nous montre même comment ouvrir l'ordinateur la première fois. Oh! Puis des informations face aux écrans. Ça c'est vraiment très cool pour vrai, Eric. Puis ton équipe, bien évidemment. Parce que c'est pas tout le monde qui connaît nécessairement l'informatique. Fait qu'ici j'ai mon power cable. Ça c'est super intéressant. Là ça va être la partie la moins délicate. Je vous prie de m'excuser pour cette image de fesses. Super. Fait que ça c'est le CD de mise à jour pour la carte mémoire. La motherboard en fait, c'est ça. Ça c'est des petits collants ici, super cool. Ça c'est pour mon 1 Tera de SSD. Ben oui, je vais tout vous dire vraiment c'est quoi que l'ordinateur a comme pièce à l'intérieur plus tard dans la vidéo. Là, je suis vraiment en train de démonter parce que j'avais hâte en estique. Emballage vraiment très professionnel, je tiens à le dire là. Vraiment, c'est super bien fait, j'ai tout utilisé le bon stock. Le caisse est vraiment cool, genre on a les vitrines sur le côté puis en avant. Qui me permettent de voir finalement l'intérieur. Puis j'ai aussi, dans le fond, tous les boutons sont sur le dessus. Fait que ça, c'est vraiment cool parce que comparé à l'autre, c'était sur le côté. Fait que mettons que j'ai plusieurs choses branchées, puis que quelqu'un marche, puis qu'il accroche le USB, ça déchire tout. C'est quand même très très plate. Mais sur le dessus, ça risque pas d'arriver parce qu'il n'y a pas vraiment personne qui va aller jouer là-dessus. Fait que c'est vraiment mieux. Le caisse, pour vrai, je suis vraiment très content jusqu'à présent. J'ai trois ports USB au-dessus. J'ai mes ports aussi pour mon audio. Pour ce qui est du derrière, dans le fond, c'est un build matrix. Je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés, qui cherchaient peut-être un ordinateur, qui voudraient avoir plus d'informations, des images. Mais j'ai quand même 4 USB ici, vraiment très complet normalement. Sur la carte graphique, c'est une GTX 1660 Ti. Fait que je vais avoir mon DisplayPort, je vais avoir un HDMI, puis je vais avoir ici. C'est pour les vieilles connexions, c'est vrai. En termes de poids, je suis étonné, le build pèse moins que l'autre que j'avais fait avant. Ça, c'est le plus important, guys. Je vais pouvoir contrôler les LED avec ça. Parce qu'il y a du RGB! Je vais vous montrer une fois allumé c'est quoi le résultat de l'ordinateur, ça sera pas bien là. Alright, ben c'était vraiment ça, je voulais vous montrer un petit peu le unboxing de l'ordinateur. À mon grand étonnement, EPG avait déjà fait toute la préinstallation, les configurations de base, j'ai plugué l'ordinateur, tout était déjà prêt. Fait que pour vrai, là, à date, le service, là, j'ai rien à dire. Ils ont une garantie vraiment super bien. Les gars sont super cool, là, tu peux le communiquer avec si t'as des questions ou quoi que ce soit, puis ils sont présents. Fait que pour vrai, je ne regrette pas du tout. Puis j'ai informatique, on fait un super de beau boulot. L'ordinateur est beau, l'ordinateur est performant, puis il était un super de bon prix. Puis en plus, c'était québécois. Fait que pour vrai, c'est sûr que si j'ai affaire à faire ou si je conseille à faire, allez-y avec EPG Informatique. Les liens sont dans la description. Moi, je te souhaite une super de bonne journée. Salut là!